Et bonjour, ici c'est Karine Maurer pour les éclairés de la conscience. Alors je vais essayer d'installer un peu mieux mon trépied. Voilà, je mets un peu mon décolleté en place quand même. Et aujourd'hui, un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est le thème, salut Laetitia, salut Agnès. Celle qu'on appelle communément la salope et l'autre la sainte ou la sainte Nitouche. Voilà. C'est-à-dire que ce binôme, on a souvent l'habitude en fait de les séparer, de comme si tout les opposait. Mais en fait, ce que je me suis autorisée à percevoir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui les relient, ces deux archétypes. De la sainte et de la salope. Alors, je voulais déjà commencer un petit peu par salut tout le monde. N'hésitez pas à me faire plein de petits trucs, des petits pouces, des petits cœurs. Voilà, que la vidéo soit retransmise un maximum. De si vous voulez la partager, laissez-vous sentir si c'est fun pour vous. Voilà. Coucou Marie. Alors, qui c'est que j'ai avec moi aujourd'hui? J'ai Sandrine, Patricia, Marion. Coucou, coucou, je suis contente de vous voir. Et je ne sais pas si ça vous parle ce thème, mais je pense que oui. Salut Sophie Garcia, de cette fameuse sainte et de cette fameuse salope. Parce que finalement, souvent, ces archétypes nous empoisonnent la vie. Voilà, c'est-à-dire que ces espaces de jugement, ces espaces de fermeture qu'il faudrait être plus l'une plutôt que l'autre, finalement, eh bien, ça limite beaucoup, beaucoup les femmes. Et les femmes ont extrêmement peur justement d'incarner, d'intégrer la salope qui est en elles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salope? Qu'est-ce qui fait qu'on traite une femme de salope? Voilà. Qu'est-ce qui fait que finalement une femme va être qualifiée de salope? Qu'est-ce qui fait que finalement c'est souvent, je dirais pas souvent, c'est pas plus les hommes que les femmes, mais souvent en fait une femme qui aime le plaisir, qui va aimer sa féminité, qui va comment dire, qui va pouvoir l'exposer avec aisance. Voilà, soit pour effectivement rassurer un espace d'elle-même à l'intérieur, soit parce qu'elle est totalement pleine et en présence d'elle-même et que pour le coup ça vient déranger. Très rapidement, en fait, le mot salope va venir se greffer, se coller à la peau de cette personne-là. Si elle attire le regard, il y a des femmes qui sont extrêmement magnétiques comme ça. Enfin, moi, c'est. J'ai vécu très longtemps, enfin je pense être encore un peu magnétique quand même, je n'ai pas tout perdu. Mais on ne me traite plus de salope parce que j'ai accepté finalement cette part-là. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tant que j'étais en réaction, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en réaction avec ça. C'est-à-dire qu'elles ont peur de l'être, elles ont peur qu'on puisse les traiter de salope, elles ont peur d'avoir du désir, elles ont peur d'être, de jouir, elles ont peur finalement de quitter la sainte. Et que finalement, en incarnant la salope, eh bien, elles vont être beaucoup plus trop collées finalement à l'identité de la salope, mais elles vont pas. Et c'est comme si la salope, quand elles sont traitées de salope, moi c'est comme ça que je perçois les choses. Je ne dis pas que j'ai raison ou que c'est la vérité, mais c'est comme si la salope, pour le coup, quand une femme est traitée de salope et qu'elle est, le mot reste comme collé en fait sur la couche superficielle. Voilà, ça reste collé et ça reste en résonance avec cet espace-là. La femme qui accepte d'incarner la salope, c'est-à-dire de se laisser traverser par son énergie, que d'être traitée de salope, c'est un point de vue très intéressant. Et si derrière ce mot salope, ça voulait dire vivante, tout simplement, d'accepter d'être une femme libre, vivante et authentique. Finalement, l'invitation, ce serait tout simplement de venir se laisser traverser par la salope. Voilà, par le mot qui ne reste plus en fait séparé de soi, mais qu'on puisse vraiment se laisser traverser par son énergie et que ben, finalement, ben,
Une fois que ça a été intégré et que c'est accueilli, que c'est accepté, qu'on n'est plus en séparation avec ça, forcément, moi, je me souviens plus la dernière fois où on m'a traité de salope. Voilà, je m'en souviens plus. Je devais être très jeune. Mais c'est parce qu'à un moment donné, plus on est dans la peur d'être un espace, plus finalement les autres, entre guillemets, le monde extérieur, l'univers se charge de nous rappeler que l'être infini est tout. Voilà, il y a autant de sainteté dans la sainte nitouche, entre guillemets, que dans la salope. Et je rencontre beaucoup dans les séminaires, en fait, des femmes qui n'osent pas jouir parce qu'elles ont peur de cet archétype-là. Elles ont peur de rugir de plaisir. Elles ont peur de libérer leur animalité. C'est comme si, en fait, la lionne intérieure, la louve, était sous contrôle. Comme si c'était plus. Elles ont peur parce qu'en fait, elles ont peur tout simplement, un, de leur propre désir. Voilà, que bon bah, que cette animalité-là, oh là là, mais c'est pas bien. Comme s'il y avait une forme de sexualité qui était mauvaise, et que de faire tout ça dans le noir, voilà, avec la chemise de nuit ou le col roulé, et de s'enfermer, pour le coup, c'était plus louable. Je pense que l'énergie vitale, le grand esprit, le grand tout, le grand architecte, vous appelez ça comme vous voulez, mais l'univers, voilà, tout ça s'en fout totalement, quoi. Hein? Voilà, qu'on soit à l'aise avec nos corps ou qu'on soit pas à l'aise, en fait, on subit toute la pression de nos propres jugements et de nos propres peurs. Okay. Et moi, ça me tient vraiment à cœur ici aujourd'hui d'accueillir cette part-là de toutes les femmes là qui sont là, hein, de toutes les femmes qui ont peur d'incarner cet espace-là. Hein. Et tout ce qui nous a fait croire que nous devions nous séparer de cette salope-là, est-ce que nous sommes toutes prêtes ici et maintenant à accueillir l'archétype de la salope au cœur de source, de la recevoir à l'intérieur de nous, de la remettre au point zéro, voilà, et d'accueillir tout simplement ça, ça fait remonter des trucs, voilà, et tout ce que ça fait remonter. Tous les inconforts, tous les jugements, toutes les peurs d'être jugés, d'être condamnés, d'être traînés dans la boue, tous les espaces où nous avons été traînés dans la boue, jugés, massacrés psychiquement parce que nous étions sexués et que nous avions un sexe vivant, conscient. Est-ce que nous sommes toutes prêtes ici et maintenant à remettre tout ça au cœur de source, s'il vous plaît, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit? Ok. C'est-à-dire que cette salope, elle prend appui dans la religion tradition judéo-chrétienne avec Marie-Madeleine, qui, on nous a bien ancré dans l'inconscient, était donc eh bien, une prostituée. Bon, je ne suis pas sûre, franchement, qu'elle était une prostituée telle que nous, on l'entend dans nos espaces ici et maintenant. Mais disons que c'est bien ce qu'on a bien voulu nous faire croire et que finalement, il existe deux archétypes, la pute et la sainte. Ok? Moi, de ma propre traversée psychique, j'ai traversé les deux étapes. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y a une blessure commune qui est vraiment très commune à la sainte et à la salope. Voilà, c'est-à-dire que les deux sont issus de la même blessure d'abus, sauf qu'elles n'ont pas du tout la même façon. En fait, de manifester les conséquences de l'abus dans leur corps. C'est-à-dire que la sainte nitouche, moi j'ai commencé par être tous azimuts, c'est-à-dire open, pas de limite, pas de frontières, et voilà, je donnais mon corps à celui qui voulait bien le prendre. Voilà. Donc en fait, je n'avais pas de conscience dans mon bassin, je n'avais pas conscience de mon corps, j'étais totalement addict de l'abus, et je continuais à entretenir cet abus-là à travers mes rencontres. Ça faisait partie de mon moule psychique. Au fur et à mesure, ça a été vraiment, le mot qui me vient, c'est le chemin de croix, de récupérer mes espaces corporels, voilà, de les désolidariser de l'espace psychique de mon père, de sortir justement de l'addiction à la fusion paternelle et de
prendre encore mon corps de femme. Voilà. Et en fait, quand j'ai eu une trentaine d'années, j'ai fait un saut quantique, c'est-à-dire qu'en actionnant ce corps, en fait, j'ai fait une montée Kundalini qui m'a ouvert le chapeau et j'ai contacté des choses que je vois, j'étais pas prête à contacter, mais c'était le chemin que j'ai choisi. Et pour le coup, je suis devenue une sainte Nitouche. Voilà. C'est-à-dire que je me suis totalement fermée. J'ai commencé par constater que je n'étais pas dans mon bassin. Donc en fait, j'ai fui le bassin. Hein, quand en fait, vous avez un bassin massacré, quand le bassin est massacré, qu'est-ce qui se fait? Vous avez déjà vu un tube de dentifrice? Moi, j'en ai pas là avec moi. Tenez, je vais prendre par exemple une crème. Si je ne suis pas dans mon bassin ou qu'il est complètement martelé, si j'appuie ici sur en bas, qu'est-ce qui se passe? Ça monte, hein? La conscience monte, c'est-à-dire qu'on a tendance, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont vécu des abus, des incestes, qui ont une sphère spirituelle, des perceptions et qui ont des perceptions spirituelles très fortes. Parce que quand la conscience n'est pas en bas, quand il n'y a pas de lest, quand on n'est pas plombé, quand il n'y a pas de conscience dans le bassin, dans le périnée, ou quand c'est effectivement papa, maman, tonton, tata, papy, mamie qui y sont, forcément la conscience elle monte, ok? Et on va ouvrir des ouvertures psychiques, parapsychiques, un petit peu hors norme, hein, et c'est là que la sainte elle intervient, c'est-à-dire que la sainte elle va toujours être avec les anges, voilà, elle fuit le démon, elle fuit l'abus pour remonter. Et en fait, elle va mettre ce qu'on j'appelle ça, moi j'appelle tout le temps ça, vous savez, les fameux opercules de bigorneau psychique, c'est-à-dire qu'elle va fermer. Hein, on retrouve dans des vagins, dans des périnées, des indurations, des espaces complètement absents. Et comme elle est absente du bas, eh bien, forcément, il faut bien que la conscience elle soit quelque part. Donc, c'est un vase communicant. Donc, ça communique. OK ? Pouf, ça monte. Et pour le coup, eh bien, on ouvre. Donc, en fait, l'invitation, c'est qu'une fois qu'on a ouvert là-haut, qu'on a une conscience, ça va être de redescendre par le cœur, hein, de réinvestir. Parce qu'en général, quand on est descendu, quand on n'est pas en bas, au passage, on a le cœur brisé. Voilà. On a un cœur qui est brisé en mille morceaux. Voilà, je peux vous en dire quelque chose. Donc l'invitation, ça va être une fois qu'on est remonté dans la sphère spirituelle, hein, il y en a plein là, je pense, qui comprennent exactement ce que je veux dire. Quand on est remonté dans la sphère spirituelle et que c'est notre espace de refuge, c'est-à-dire que quand on est là-haut, en fait, on est à côté de notre corps et ça nous arrange bien. Parce que de recontacter le bas, il va nous falloir beaucoup de courage, hein, de redescendre. Ça veut dire qu'on va déjà œuvrer pour récupérer le cœur de source, pour récupérer le cœur brisé en mille morceaux, hein, et de récupérer ce cœur brisé. Alors souvent, on va vivre des relations avec des pervers narcissiques, avec des abuseurs. Voilà, et là, comment vous dire, il faut redescendre, quoi. C'est-à-dire que comme on était là-haut, on a attiré en nous complètement les personnes idéales pour nous faire redescendre dans la matière. Et on va se retrouver face à des personnes qui abusent. Oui, forcément, on n'est pas à la baraque, hein, il n'y a personne en bas, on n'est pas dedans. Donc, alors, effectivement, quand on est là-haut, c'est aussi une stratégie de repli où on sent moins, où on peut se sauver, hein, où on peut rester en stratégie de repli pendant très longtemps. Il y a des femmes qui peuvent vivre des situations d'abus. Moi, j'en connais plein. Des femmes avec des cœurs énormes qui sont restées pendant des années avec des pervers. OK. Et qui, pour le coup, à un moment donné, c'est comme s'il y avait un déclic. C'est comme s'il y a quelque chose, une jonction entre terre, ciel qui opère. Et tout d'un coup, il y a la conscience qui redescend. Et en fait, l'invitation, c'est de vraiment réinvestir ce bassin, de revenir en fait pour la salope et la sainte Nitouche, ça va être vraiment d'arrêter de tourner autour du pot en fait, hein, parce qu'on a toujours, c'est pareil marin, c'est pareil pour les hommes. Ce que j'explique pour les femmes, c'est exactement, j'ai constaté la même chose pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes, en général, ne sont pas non plus dans leur périnée. C'est-à-dire qu'au niveau de leur prostate, le fait de rentrer dans l'anus, comment vous dire que c'est juste, l'anus est associé à être un PD ou être un homo, donc
comment vous dire que c'est juste pour l'hétéro, il va fuir totalement cet espace-là. Souvent, le périnée, c'est-à-dire les testicules, le périnée, la verge, va être resté coincé très souvent avec une femme castratrice et quelquefois avec la mère. Donc en fait, il y a une absence en fait, où il dépend de la sécurité maternelle, il dépend encore de la puissance matricielle de sa mère pour contacter son propre sécurité. Donc, ça va être vraiment, comme je vois que c'est écrit, ça va être de réinvestir son bassin, de revenir à la fois pour l'homme qui a été massacré ou qui est resté coincé dans un espace psychique maternel, peu importe, mais ça va être vraiment de réinvestir pour l'homme et la femme, de revenir dans cet espace-là et resécuriser tous les espaces de l'enfant. C'est souvent l'enfant qui a été insécurisé et en fait, quand on est enfant, ben, on a accès à autre chose, on a des accès multidimensionnels. Hein. Souvent, ben, on va s'inventer des compagnons invisibles, on va se trouver, on va pouvoir percevoir eh bien, des fées, des lutins, des morts, voilà, des enfants vont voir des entités. On a cette perméabilité et en plus, quand il n'y a pas l'ancrage, quand il n'y a pas la sécurité au bassin, c'est très facile, quoi. Hein, moi, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui ne sont pas ancrés. Hein, qui sont continuellement en fait dans cet autre, en fait ils sont sur plusieurs mondes à la fois. Là, donc en fait moi j'invite toujours les mamans à investir le bassin de leurs enfants, c'est-à-dire quand on les porte pas par là, hein, c'est toujours une main sous le périnée, hein, sous l'ancrage et sous le sacrum, de bien maintenir l'enfant dans cette sécurité existentielle que son bassin est soutenu. Déjà physiquement, d'y mettre une présence physique, psychique, dans lequel l'enfant va pouvoir déposer sa conscience. Voilà, combien d'enfants sont trimballés, voilà, ils sont un peu comme des paquets, mais il n'y a pas de conscience présente au niveau du bassin. Quand on change l'enfant, quand on va le changer, voilà, il y a tout plein de... C'est pas serein, hein. Il y a plein de points de vue de jugement qui peuvent remonter quand la maman voit l'érection du petit garçon ou quand le papa voit la vulve de la petite fille, quand il y a le caca, voilà, oh, c'est sale, ça sent mauvais. Il y a tout plein de projections qui vont entrer en jeu dans la construction psychique du petit enfant qui, pour le coup, lui, en fait, si le parent n'est pas à l'aise avec le sexe, avec la manifestation sexuelle, le sexe apparent de son petit enfant et qui a sa propre histoire qui se rejoue, en fait, on est toujours dans un héritage, on se transmet comme ça. Nos propres abus sont en fait retransmis en fait, à nos enfants. Donc, quand on se nettoie soi-même de nos propres héritages, qu'on peut voir vraiment nos enfants sous un autre angle, on peut leur permettre de descendre dans ce bassin, dans cette sécurité. Dans leur présence existentielle, dans leur chaudron magique, d'accord ? Donc pour en venir à cette fameuse salope et à cette fameuse sainte, donc la sainte et la salope, elles obéissent pour moi vraiment à cette même blessure existentielle qui est l'abus, voilà. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde d'abus où, en fait, sur l'horizontale, où ce que l'on n'a pas chez soi, on va toujours chercher chez l'autre, et inversement. Et on va aussi passer notre temps à nous barricader et à être derrière des barricades. L'investissement, quand on œuvre au cœur de source, qui intègre tout, on est capable, finalement, de pouvoir intégrer la salope démoniaque et la Vierge Marie en un tout. Voilà, c'est-à-dire que tous les espaces où nous avons cru devoir soit nous barricader, soit nous échapper, soit nous donner tous azimuts, est-ce que nous sommes toutes et tous prêts ici et maintenant à que cette horizontalité du déversement ou de l'abandon de soi, remettre tout ça, tout simplement, à verticaliser tout ça et ramener ça ici au cœur de source. Voilà, ce cœur de source qui reçoit, qui donne tout sans jugement, sans point de vue, sans considération. Que l'on ait été une sainte nitouche, que tous nos blocages, que toutes nos peurs, voilà, toutes nos fossilisations, toutes nos indurations transgénérationnelles, éducationnelles, eh bien nous puissions en fait tout simplement nous autoriser à faire monter ça ici et maintenant au cœur de source, là où tout commence et là où tout finit. De la même façon que la femme qui se prostitue, c'est-à-dire qui donne, qui se laisse vampiriser son énergie sexuelle, hein, parce qu'on parle de pute, mais une pute, la prostituée aussi, il y a aussi cette image
en fait, de la femme qui, pour avoir de l'amour, de l'attention, va donner son énergie. Donc elle donne, moi je connais très bien ce processus, c'est-à-dire qu'on va donner, on va se vider, hein, on va se laisser vampiriser notre énergie sexuelle, hein, pour avoir de l'attention, pour se sentir exister. Ok. Et partout où nous avons cru devoir dilapider notre énergie vitale, moi j'ai fait ça avec mon père pendant longtemps, hein. Ok, est-ce que nous sommes toutes prêtes justement, toutes prêtes et tous prêts ici et maintenant à accueillir ce processus-là, à le ramener au cœur de source et à dire ok, je vois le processus, je choisis ici et maintenant de prendre soin de cette part de moi qui a toujours cru devoir vendre son énergie pour exister. Ok, et retour au cœur de source, retour au cœur de source ici et maintenant dans cette dimension et dans toutes les dimensions. Voilà, de ne plus dépendre de prostituer psychiquement notre énergie pour pouvoir recevoir et de ne plus avoir à se cacher et à être derrière, se cacher derrière l'intimité. L'intimité, on le dit à tout bout de champ, mais derrière l'intimité, pour moi, j'ai mon amie Anne Douché-Morin qui a fait deux magnifiques vidéos là-dessus. Je vais pouvoir vous en donner mon explication. L'intimité, pour moi, on peut être dans l'intimité sans être dans le sexe. L'intimité, c'est un espace libre. C'est un espace qui peut se dire, qui peut s'éprouver, dans lequel il n'y a aucun mal-être, aucune contraction, aucune censure. Parce qu'il y a quelque chose, comment dire, c'est-à-dire que le verbe, à ce moment-là, prend appui sur une conscience qui est totalement incarnée dans la cellule, dans la matière. Et c'est totalement aligné. C'est ça l'intimité. Et on n'a pas besoin d'être dans un espace sexuel pour être dans l'intimité. Moi, je suis dans l'intime tous les jours en rencontrant des clients, en partageant des espaces, tous les jours, et ils ne me montrent, ils ne baissent pas leurs culottes. Ok? L'intime, ça va être... On va confondre beaucoup l'intime avec le tabou et le blocage. C'est-à-dire que quelquefois, on va se substituer. Il y a des substitutions de termes de langage, hein, pour lesquels ça va être plus facile pour nous de mettre le mot intime parce que ça nous paraît plus doux. Mais c'est pour éviter de rencontrer la violence du blocage et du tabou qui sont cachés derrière le mot intime. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois, on a des tabous, on a des blocages qui auraient besoin d'être accueillis pour ce qu'ils sont. Réellement. Voilà. Et qu'on puisse vraiment, avec toute l'émotion, hein, qui est sous-tendue derrière, de les amener ici au cœur de source, hein, tous ces espaces où nous avons cru devoir rester cachés, emmurés, calfeutrés. Et partout, nous sommes racontés un petit discours de l'intimité pour ne pas exister pleinement et pour être dans le déni de soi. Est-ce que nous sommes toutes prêtes et prêts ici et maintenant à accueillir ces blocages? Voyez, à ces blocages, tout simplement les faire fondre au cœur de source, ici et maintenant. Et alors dire oui. Alors dire oui sur ce qu'ils ont bien voulu cacher, c'est-à-dire notre essence, notre fragilité, notre authenticité, notre trésor, ce qui fait que notre petit enfant n'a pas eu le choix que de confectionner un garde du corps, hein, pour justement protéger cette fragilité. C'est juste ça, c'est-à-dire que nous avons toutes et tous en nous des petits-enfants abusés qui ont construit des gardes du corps psychiques pour préserver ce trésor-là. Ok. Sauf qu'il est temps maintenant, il est vraiment temps, que ce soit la salope ou la sainte, vraiment à laisser partir en fait ces archétypes derrière lesquels nous croyons devoir nous cacher pour renier totalement l'être infini que nous sommes, mais surtout renier l'enfant blessé. Moi, je guéris tous les jours des espaces de moi. Tous les jours, je demande, quand je sens une contraction, une émotion qui monte ou une projection, que je sens que je vais juger quelque chose, j'accueille tous les jours des espaces de moi d'un enfant, voilà, qui a besoin d'être accueilli. J'interroge, quel âge as-tu quand tu ressens ça? Quel âge as-tu quand tu crois devoir te vider de ton sang, devoir te vider de ton énergie pour te faire pour être aimé? Ok. Quel âge as-tu quand tu crois devoir
être derrière une barricade, derrière un plastron cardiaque, hein, il y a des cœurs qui sont durs. Quel âge as-tu derrière ta barricade? Et voilà, ça m'émeut beaucoup de vous parler de ça parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de conflits qui seraient, qui pourraient être cessés, qui pourraient, comment dire, beaucoup de conscience, beaucoup d'êtreté qui pourraient être mis à jour si on s'autorisait vraiment toutes et tous à accueillir en nous la salope avec le même amour, la pute, la sainte, l'archétype de la Vierge Marie, l'archétype de, voilà, à la fois notre horizontal, dire oui à tout ce qui est horizontal, pour se verticaliser. C'est-à-dire qu'on passe notre temps. En fait, ce qui est important, ce que je vois là tout de suite, ce qui me vient tout de suite, c'est que ce qui est important le plus, c'est de réussir à dire oui aux parts de nous qui disent non. Moi, c'est là où j'en suis. C'est-à-dire que je vais donner l'exemple, par exemple, de la cellulite. Je parlais hier avec une amie qui est venue me voir et je partageais avec beaucoup d'émotion. Voilà, j'ai fait un post sur la cellulite. Bon, il y a quelque temps, j'en aurais été incapable. Aujourd'hui, c'est possible. Mais soyons très honnêtes, hein, toutes les parts en moi ne disent pas oui à la cellulite. C'est pas vrai. Je vais pas mentir. Je vais pas renier le mannequin. Hein, qui, elle, s'est construite sur le fait qu'il fallait avoir zéro de cellulite. Et il y a aussi la petite fille qui, elle, quand elle voyait la cellulite de sa propre mère, elle faisait « Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? Au secours, je veux surtout pas ressembler à ça. » Donc, quand je vois ma cellulite, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parts de moi qui voient cet espace-là. C'est la même chose avec la salope ou la sainte. De pouvoir nommer quel âge, quels sont les espaces de nous qui disent non. Alors vous êtes toujours là ou pas? Oh putain. Ok, est-ce que vous êtes toujours là? Ça résiste? Allô, allô, allô? Bon.